Ça tourne. Donc là, le procès de Jacques a commencé là cette semaine. Vous, en tant que sœur, comment vous vous sentez, tout simplement? Mais bien triste, parce que c'est pour ceux qui sont... Il a détruit des petites jeunes filles et la famille a été détruite aussi. Alors moi, je suis bien peinée, je suis perturbée. Est-ce que on peut... Est-ce que vous réalisez, est-ce qu'on peut imaginer que son frère, avec qui on a vécu dans son enfance, peut être responsable de ce genre d'acte? Moi, je pense pas que c'est pour l'enfance. Hein. Il est devenu malade, hein, parce que même moi, j'ai eu une enfance aussi malheureuse que lui, hein, puisque ma mère m'embrassait jamais. De toute façon, j'ai jamais été, hein, moi, j'ai jamais eu d'affection, jamais rien. On couchait dehors, tout ça. Mon père est rentré sous, fallait se barrer parce que. Réellement, il était méchant avec nous. Et puis, on allait courir dans des étables à vaches, là où on dormait. On dormait dans les étables à vaches. On rentrait le lendemain matin, savoir s'il était calmé. C'était calme, donc on pouvait rentrer. Hein. Nous avons habité dans un baraquement avec des rats, tout ça, pas d'eau, rien du tout. Et chercher l'eau en face de chez nous, chez les voisins. Et mon père, à la mort de ma mère, a repris une dame très, très peu de temps après. Il a fallu qu'on s'en aille, hein, nous. Nous, il fallait qu'on s'en aille. Donc je me suis retrouvée à Amiens comme bonne à tout faire, pour pas être dehors, bien sûr. Hein. Et il a été déchu de ses droits paternels. Hein. Et Jacques dans tout ça, alors? Et Jacques dans tout ça, après Jacques, il est né en 60. Hein. Moi, je ne l'ai pas connu, bébé. Et si j'étais déjà partie, je ne l'ai pas connu. Hein. J'ai connu environ à l'âge de 10 ans, par là. J'étais dans mon village natal parce que j'avais la nostalgie de mon village. Donc, je suis retournée dans mon village. Et c'est là que je l'ai connu, Jacques. Il traînait les rues. Le père, la mère a été débile, c'est vrai. Et le père s'en occupait pas. Il était livré à lui-même. Il n'avait pas d'affection non plus. Il faisait quoi de ses journées alors? Ah, ben il traînait les rues, il n'allait pas à l'école. Non, non, il ne voulait pas aller à l'école. Non, non, traîner les rues. Hein. Et il allait dans les bois, tout seul, hein. Tout seul. Il aurait pu arriver quelque chose, regardez, un accident ou autre. Hein. Et vous dites, sa mère était débile, son père ne s'en occupait pas. Comment ça? Alors, comment vous décririez les rapports qu'ils avaient? Comment vous décririez ces personnages-là? C'était pas la peine qu'ils aient d'enfants, hein, à ce moment-là. Hein. Il rentrait le soir, je ne sais même pas s'il avait à manger. Soit disant que c'était l'instituteur qui lui donnait à manger. Qui m'a dit, c'est ça, je ne l'ai pas vu. C'est là, ça ne m'a pas fait en rien. Pas en manger, rien, était réellement débile. Hein? Est-ce que déjà, là, à l'époque, pendant son adolescence ou son jeune âge, est-ce qu'il avait déjà des comportements violents, des bagarres ou autres, des petites choses comme ça? Ben, vous savez, comme je vous dis, moi, je n'ai pas connu qu'il n'allait pas à l'école. Il ne se battait pas. Il était toujours solitaire, tout seul. Alors, je n'ai pas connu en train de se battre, moi. Non, non. Il aimait être seul? Oui, comme moi. Il aimait bien être tout seul. Moi, j'aime bien la tranquillité. J'aime bien me reposer. Je veux même plus voir le monde, des fois. Tellement qu'il m'a écœuré, le monde. Tellement que je suis déçue. Déçue du monde. Ils sont faux. Ils pensent qu'à faire du mal à tout le monde. Me préfère tout seul. Je n'ai pas d'amis, moi, chez moi. Je n'en veux pas. Je n'ai pas d'amis, moi. Ces amis, ça mène à rien du tout. À rien. Ah oui. Et vous disiez tout à l'heure qu'au moment où Jacques a déjà été condamné une première fois, au début des années 90, pour viol, vous êtes auprès de lui. Déjà, comment vous avez réagi suite à cette condamnation? Est-ce que ça vous a surpris, choqué? Ça m'a surpris, puis pas. S'il traînait tellement avec des voyous. Non. On m'a dit, ben, il a fait ça. Oh, ben, il a peut-être besoin qu'on dialogue quelque chose pour dire qu'il se remette sur son chemin. Et j'ai été le voir en prison. Là, il dit non, que j'ai pas été le voir. J'ai pas été le voir en prison, qu'il m'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit en prison? Ben, en prison, pas grand-chose. De la dame qu'il avait voulu violer, là, qu'il avait été en boîte de nuit. Et. Il m'a dit, écoute, j'ai fait une lettre, est-ce que tu veux la mettre à la boîte? En prison, on ne peut pas, on n'a pas le droit. J'ai mis directement dans ma poche, puis je l'ai mis à la boîte.
Et il cherchait à la retrouver quand même. Vous voyez, il n'a pas pensé à lui faire du mal, je pense pas. Je pense pas parce qu'il cherchait après elle. Je sais pas, je le comprends pas. Je le comprends pas. Ils ont eu un enfant ensemble. Et vous imaginez un comportement violent au point d'aller jusqu'au meurtre, parce que là, certes, il y a eu des viols, mais là, il est allé encore un peu plus loin à Perpignan. Oh, alors là, ça a devenu grave. Soi-disant, que sa dame, elle le trompait là-bas à Perpignan, qu'il le savait. Il a couru après elle et il ne l'a pas attrapé, à sauvé derrière des cageots de bois, je ne sais pas quoi. Heureusement qu'il ne l'a pas eu parce qu'il l'aurait tué. Ah oui, et oui, oui. Alors donc, c'est là qu'elle s'est séparée. Elle est partie avec le monsieur qu'elle a connu. Et puis lui qui a connu tout ça. Et vous imaginez à ce moment-là, quand vous étiez en prison, enfin face à lui en prison, dans les années 90, qu'il pourrait un jour aller jusque-là, aller jusque-là? Non, non, j'aurais jamais pensé ça de lui. Mais jamais, jamais. Non. Non, parce que quand il venait me voir là en 99, dernièrement, le jour que je vous l'ai dit à mon anniversaire, non, on aurait dit un pépère tranquille, assis sur une chaise. Non, j'aurais jamais pensé ça de lui. Là, ça m'a saisi et perturbé, vous savez. Parce que c'est pour les familles, là. Hein. Les pauvres petites filles, elles ne sont plus là. Elles sont parties dans des souffrances atroces. Et la famille reste. Là, pour eux, c'est terrible. C'est terrible. Puis moi aussi, vous savez, dans mon cœur, c'est une souffrance. Oui, c'est une souffrance. C'est trop. Pourquoi qu'on arrive dans le monde pour souffrir comme ça? Pourquoi?